ne sais plus. Bon, écoutez, on va tenter. Même si j'ai du mal comme un kiki. T'as encore une Valkyrie. Je vais m'acharner. On va la sauver, pas vrai? Si par sauver tu veux dire lui arracher brutalement les ailes, alors je vote pour. Assez, tous les deux. Je déciderai de la meilleure chose à faire. Y'a pas un corbeau? Ah non, y'a pas de corbeau ici. Allez, à l'assaut. Sois prêt à agir. Concentre-toi, Atreus. Ouais, ça va. Bon, ça va, elle prend pas beaucoup de dégâts. Hein. Quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, donc lui lancer des haches dans la gueule, ça sert quand même. Laisse-moi le temps, t'as plus de points. D'accord, donc ça faut que je l'évite. Putain. Mais merde! Mais merde! C'est n'importe quoi. Mais... elle a rien dit! Elle a rien dit! Attention, père!
Eh merde. C'est une blague. Elle m'enlève plus de dégâts en plus. C'est une blague. Oh putain, la vache! Oh la vache! Oh la vache! Une heure, les amis! Plus d'une heure même! Liberté! Ah bah ouais! Je ouais. ne suis plus maudite! Je passe entre tous! Celle-ci fait plus de bruit que la dernière! Madame, je vous prie, que faisiez-vous sous cette forme physique? Pourquoi nous combattre? Je l'ignore! L'âme d'une Valkyrie ne peut demeurer pure dans un corps de chair! Nous appartenons au monde spirituel, où je pars à présent. Au revoir! Franchement, les amis, plus d'une heure que je gueule comme un con. J'en pouvais plus. Là, franchement, j'avais les veines du cou qui avaient les quintuplés de volume. Qui t'a mis dans cet état? Mais qui? Et pourquoi? Je préfère ne pas m'avancer. Tu sais quelque chose? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. Tête. Ah, Sigrun, la reine des Valkyries. Elle en a le pouvoir. La dernière fois que je l'ai vue, elle était elle-même incarnée. Elle m'a rendu visite bien après qu'Odin m'eut emprisonné. Pourquoi? En fait, nous avons un passif, si je puis dire. Tu veux dire un passif amoureux? Petit, tu vas me faire rougir. Enfin, je le peux encore. D'abord, nous chassons ces créatures, et maintenant ton ancienne amante. Nous perdons notre temps. C'est pas une perte de temps. Père, ce sont les Valkyries. Ce sont elles qui empêchent les morts d'envahir Midgard. Dans ce cas, elles font mal leur travail. Ce n'est pas leur faute, mon frère. On les a changées, les empêchant d'accomplir leurs devoirs. La reine? Je n'en suis pas certain, petit. Nous devons continuer à les interroger. Si bien sûr, nous en avons le temps. Ok, franchement, pire qu'épique. Par contre, j'ai débloqué, je crois, une nouvelle poignée. Que je ne vais pas équiper pour l'instant. Mais qu'il y a moyen que j'équipe en l'améliorant. Clairement, j'étais pas du tout équipé pour. Ça va que je suis en difficulté normale et que je commence un petit peu à doser. Et que surtout pendant une heure j'ai persisté et que j'ai essayé de retenir son pattern. Bien que des fois il était buggé et un truc qui m'énervait. Enfin, vraiment, mais vraiment, vraiment quand elle gueulait Valhalla. Normalement ça voulait dire qu'elle décollait et qu'elle atterrissait genre boum sur ma gueule pour m'enchaîner. Et des fois elle était buggée, des fois elle disait Valhalla, elle ne le faisait pas, et des fois elle le faisait mais en retard. Et du coup, bon nombre de fois j'ai fail à cause de ça justement, et c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment, vraiment horrible. Mais bon, franchement, on l'a fait. On l'a fait. Et ça c'est pas rien. Bon, par contre, j'aimerais bien passer cette porte. Ah, d'accord, un petit bug. Par contre, comment ça se passe ici? Bon, il se passe rien, mais à mon avis, enfin, du moins, je l'espère, on doit revenir ici. On doit revenir ici, où il y aura une phase où on va revenir ici, on va. Je sais pas ce qu'on va faire, mais il y a clairement moyen qu'on revienne par ici. Si je suis un dieu,
Peut-être que je peux voler. Non, non, non! Même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Une minute. Mimir, t'as appelé Brock et Sindri les frères Uldr? Oui. Mais ce sont des nains, pas vrai? Oui. Et les Uldr sont des esprits des bois? Oui, de ravissants esprits des bois enchanteurs. Alors pourquoi appeler Brock et Sindri les frères Uldr? Ah, je viens de me rendre compte que ce n'était pas une histoire faite pour de jeunes oreilles innocentes. Ouais. Ok, bon allez, c'est parti. Eh bien, résumons ce que nous savons. Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin. S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche. Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'Odin n'a pas? Le roi des dieux? Des as, oui, mais son pouvoir a des limites. Et ce qui est hors de sa portée, il cherche constamment à l'atteindre. Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça. Ok, et ben vous savez quoi, on va même s'arrêter là-dessus. Parce que je ne sais pas, au moment où je vous parle, si nous sommes sur la deuxième partie ou la troisième partie de cet épisode. Car, mine de rien, mon exploration a duré. Et en plus de ça, il y a eu du petit blabla, hein, il y a eu du blabla dans le jeu, il y a eu du blabla de ma part. Donc du coup, ça a traîné un petit peu en longueur et je me demande même si on serait pas sur la troisième partie. C'est vrai que j'abuse un petit peu avec ces troisième parties à répétition, mais bon. Finalement, j'ai pas trop le choix, hein, vu l'avancée. Le problème, c'est que là, on a pas mal de choses encore à voir. Déjà... Je suis ouvert. Ouais, et ben, je veux juste checker un truc. Ouais. Maintenant, envoie-les tous à elle. Voilà. On est d'accord. Acier Asgardien parfait. D'accord. Ok. Bon. Bon, alors. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, donc ça on va l'améliorer. Et on va l'équiper. Alors je perds du coup. Et il me faut de l'acier Asgardien parfait. Encore. Ok. Bon. Alors je perds un petit peu. Étant donné que je perds les enchantements qui sont liés au talisman. L'autre chose, c'était quoi déjà? Mais de manière globale, je monte un petit peu plus mes stats. Avant de se quitter, je vous avoue que de base, je pensais qu'on allait se quitter là, juste là. Et puis en fait, j'ai fait mes petits montages et je me suis aperçu que j'avais encore un petit peu de marge. Du coup, on avance. Enfin, on en profite du moins pour récupérer quelques petites choses par-ci par-là. Un nom. Rota. Une autre Valkyrie. Ce n'est pas un hasard. Mais qui a pu les inscrire sur les brasiers de tir? Oh, il y avait ces deux saloperies aussi. Et... Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. D'accord. Bon, on les tente. Je suis pas prêt.
Moi, je suis prêt. Alors vous l'avez vu, avec mon combat contre la Valkyrie, j'ai fait l'acquisition et j'ai amélioré la grâce de givre qui permet de taper plus fort. Bon, elle améliore à fond, j'ai fait l'américain, mais c'était bon. J'avais pas trop le choix. Contre la Valkyrie, elle me posait d'énormes problèmes. Oh mais c'est pratique ça. Ouais mais... Non mais elles sont juste trop abusées quoi. Elles sont juste... Bon je peux le faire, je vais le faire. Mais elles sont trop abusées. Bon allez. Bah ouais. Tiens toi prêt mon garçon. C'est une revenante. Super. Attention derrière. J'adore ce gamin ne sert absolument à rien là. Yes. Yes. Bon mais 3 essais quand même hein. Bordel de cul. Ah je sais je suis vulgaire mais j'en ai rien à caquer. Mais royal hein. De ma flèche de gui tressée qui orne la lanière de ton carquois. Un petit souvenir de ton ami Sindri. Oh, je suis extrêmement touché. Ouais, et ça c'est un truc que j'ai dit à Emma, ma compagne. Hein. C'est que moi, pour moi, alors Brock, j'ai pas de soucis à me faire. Par contre, Sindri... Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une top. Peut-être que je me trompe, hein. Mais peut-être que je suis juste totalement parano, hein, gratuitement. Mais je sais pas. Je.
D'accord. J'avais pas vu ça. On a une chambre à ouvrir juste à côté. Est-ce qu'on va y aller? C'est la question à 10 000 euros. Choc d'Héphaïstos, attaque runique rapide, encore une fois. Explosion rapide d'énergie qui inflige une faible quantité de dégâts de brûlure. Alors on ne gagne que des attaques runiques rapides avec les lames, donc je sens que quand on va en débloquer une puissante, ça va déchirer du cul. Elle a l'air un peu craquée celle-là. Bon. C'est équipé. J'aimerais avoir la certitude qu'on n'a pas besoin. Ouais, ça me semble bien loin. À mon avis, on n'a pas besoin de. Hop. Eh ben écoutez, on va le tenter. On va le tenter. J'ai peur. Surtout que j'ai passé plus d'une heure avec l'autre connasse là. Donc là, j'ai le psychologique déjà qui flanche. C'est pas bon signe. Ok, on entend le petit corbeau. Il est où le salaud? Par contre, la rage. J'ai pas la rage rechargée. Ça, c'est pas cool. Bon. On verra bien. J'aime bien parce qu'il nous donne un mort de la vie mais pas de la rage. Et franchement, il devrait. Je suis pas prêt pour ça. Ah, de l'XP. Corne. Non mais en vrai je suis pas prêt pour ça. On s'en occupe. À mon signal. Eh ben, je vais faire comme avec l'autre. Allez, c'est parti. Non.
D'accord, donc ça, je peux pas le parer. Et merde. J'ai fait la pire connerie ever. Bah non, ça va pas, connard. Ton avis. La vache! Putain, j'ai réussi sur un fail au début, quoi. Vous m'avez libéré. Qui t'a transformé? Je me rappelle seulement la douleur. Et ma reine, elle m'a enfermé ici. Mais pourquoi? Sigon. Je dois vous laisser et la retrouver. Je dois me rappeler. Il semble que ta reine soit la coupable, Tet. Oui. La dernière fois que je l'ai vue, elle était... différente, changée. Et je ne parle pas de sa forme physique. Elle était plus instable. Elle... J'essayais de lui en parler, mais... elle était juste venue me dire au revoir. Je ne pensais pas. Je suis désolée, Mimir. On la trouvera. Pas sûr qu'elle le veuille. Je ne comprends pas quelle raison elle aurait fait ça. Ça n'a absolument aucun sens. Et si c'est elle la coupable? Alors il faudra l'arrêter. Les Valkyries doivent être libérées, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous. Et qui va assurer tes arrières, d'après toi? Bon, j'ai réussi. Alors, il faut savoir que celle-là était plus dure encore que celle d'avant. Alors, elle était moins chiante, parce qu'elle gueulait pas dans tous les sens des... voilà, et compagnie. Mais, il n'empêche qu'elle était tendue. Mais vraiment tendue. Oh, de l'acier trempé? Mais je crois que c'est ça qu'il me fallait pour... on va aller vérifier ça. Une fois qu'on aura fini d'explorer tout ça.
Ah. Il y a une porte ici. Mais c'est quoi ça en fait? C'est une chambre. Non mais c'est quoi, c'est encore une chambre ça? Oh non. Oh mais j'en ai marre. Bon. Bah c'est parti hein. Tant qu'on y est. Quitte à souffrir.